Chacun a son propre regard sur son travail sur YouTube. Il regarde de manière parfois un petit peu décalée, mais surtout un peu trop critique. Et voire même la plupart du temps surtout comparatif. Mais parfois, il faut simplement savoir si on va sortir des vidéos souvent ou pas. Et en ce sens, je pense profondément que beaucoup de cinéphiles, de créateurs, de concepteurs et de développeurs sur YouTube comparent un peu leur travail avec beaucoup d'autres, uniquement dans le but de savoir s'ils sont fréquents ou non. Je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, on a beaucoup parlé de sortir le plus vite sa vidéo, en tout cas dans le monde de la critique sur YouTube, en termes de cinéma, et en ce sens, je suis assez d'accord. On pense aujourd'hui plus à la rapidité avec laquelle on va sortir sa vidéo sur tel ou tel film, plutôt que de chercher à lui donner un contexte, ou une certaine forme de profondeur, ou de justesse d'esprit. C'est un peu ce qui ressort de cette idée assez simple finalement, que la fréquence est importante, mais pas toujours. En soi, de mon côté, la fréquence a toujours été quelque chose que j'ai énormément mis en avant pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui sortent en salle. Mais en somme, il est facile de voir ma manière de faire comme quelque chose d'un peu vain, puisque finalement, il est impossible de réellement parler de tous les films qui sortent en salle. Mais pourtant, c'est important pour moi de parler de chaque film, et surtout de chercher le plus possible à les mettre en avant. D'où le fait que pour moi, la fréquence soit extrêmement importante. Mais regardez le tout un chacun, c'est loin d'être une obligation ou une chose essentielle pour parvenir à faire une place sur Internet. Et en ce sens, la fréquence a une importance presque uniquement pour celui qui choisit d'en faire quelque chose d'important. En ce sens, la fréquence est quelque chose qui doit être un petit peu comme le format que j'évoquais il y a maintenant quelques mois, quelque chose de très personnel. Au fond, tout simplement, je dirais que pour un spectateur, celui qui va te regarder, si tu choisis d'être fréquent, il s'adaptera peut-être et tu ne verras pas forcément chacune de tes vidéos faire un score exceptionnel, mais il ne sera pas indifférent à ta régularité et te le redonnera par la suite de ton parcours et de ton travail. Si tu choisis d'être un peu moins fréquent, il sera certainement encore plus au rendez-vous et tu verras tes vidéos faire des scores fous sur un laps de temps très court. En gros, faut simplement que tu prennes conscience que la fréquence de tes vidéos ne dictera pas forcément ta longue vie ou non sur Internet. Cela est souvent sur le court terme et c'est plutôt une chose qu'il faut prendre en patience pour voir jusqu'où tout cela pourra t'emmener. Après cela, il y a une autre thématique intimement liée à la fréquence. Il s'agit de la régularité.